jour, aujourd'hui on est dimanche matin, et comme tous les dimanches matins, qu'est-ce que je fais? Entraînement de jambes. C'est mon plus grand entraînement de jambes que je fais avec un ami Fabrice. Donc je vous invite à découvrir ce que je fais. À tout de suite. Alors je commence par 10 minutes de cardio pour bien chauffer les jambes avant d'attaquer la séance de jambes qui va être pas mal. À tout de suite. So before doing legs, we're off for 10 minutes of cardio. In this case, in treadmill for 10 minutes, and then we start the leg workout. Alors, on commence l'entraînement de jambes par des curls. On fait 4 séries de 12. Et on retient la charge. So, leg workout starts with leg curls. We do like 4 sets of 12 reps. And slow down. Okay, really slowly. On continue l'entraînement de jambes avec la presse d'une jambe, mais le pied bien haut pour bien solliciter la fesse. So we continue with a single leg press. Just keep in mind to place your foot high on the plate so you can hit the glute better. And we do that for 4 sets of 15 reps. Donc, on recommence de l'autre jambe et on est parti pour 4 séries de 15 répétitions. Doing some hack squats, 3 sets of 12 reps. On fait des hack squats, 4 séries de 12 répétitions. Bon, on fait bien attention de descendre à l'équerre. So just take care to go down to 90 degree angle. Stretch. Go down slowly. Okay. On va en superset faire des fentes marchées. So we superset that with walking lunges. So walking lunges, we do like 15 of each leg. So that's 30 total. Donc on va faire des fentes marchées. On va faire 15 de chaque jambe. Donc ça fait 30 au total. Faites attention. Regardez, le genou est toujours au-dessus du pied, de la cheville. So be careful when doing lunges that your knee is always above your ankle, not past your ankle or beyond your ankle. Donc le genou est jamais passé la cheville ou en arrière de la cheville, toujours au-dessus. Et on fait ça pour 30 répétitions. 30 reps. And then you're done. And repeat that for 3 cycles. Extension jambes, extension quad. Série de 15, 4 fois. On monte et on retient la charge légèrement en haut. Descends, on monte. 3 séries en superset. 3 séries de 15 en superset avec un exercice qu'on va montrer après. So, doing leg extensions. 3 sets, that will be superset with another exercise. 3 sets of 15 reps. Just up and hold it for a while. Back, hold it for a while. Okay.
On va faire un super set avec des montées. Monter sur un step ou sur un banc. So we superset the leg extension with this exercise. So you can use a step, a bench, whatever. As long as you can just push up. Marie's doing that with like a 10-pound weight in each hand. You can add more or you can do it without weights. Mon mari, elle prend 2 fois 5 kilos pour faire ça. Vous pouvez faire plus de poids ou sans poids, peu importe, du moment que vous arrivez à pousser d'une jambe vers le haut. So, the purpose of this exercise is that you can just go and raise it up. Just go down and push yourself up with the leg on the bench. And again, do that for 15 reps each leg, 15 répétitions chaque jambe. Allez, bonne chance les gens. Good luck. Alors, si vous voulez, vous pouvez changer l'exercice de montée, de step ou de banc par les CC squats si vous avez un appareil semblable à la salle. So, you can also do this exercise instead of doing the raising up exercise from a bench or a step. If you have this kind of CC squat devices in your gym, you can use that and do it again for 12 or 15 reps. Just go down, up and up. On va continuer les jambes avec la presse. Le but, c'est de mettre les pieds à largeur d'épaule et puis de bien descendre la charge. Voilà. Alors on descend bien, les genoux contre la poitrine. On fait ça pour 15 répétitions. So next is the leg press. The important thing is to get the weight down, knees to your chest. Leave your ego in the locker room. Put on some weights that you can handle for 15 reps. And we're gonna superset it. Que je vais vous montrer après. Donc c'est un entraînement avec beaucoup de supersets que vous avez vu. Il est cardio en même temps, mais il continue à vous muscler. Donc vous essayez, et puis surtout, si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. D'ailleurs, Fabrice va vous toucher un mot de l'entraînement avec moi. Oui, donc alors ce matin, super entraînement avec Marie. Donc on se rinçait, mais bon, c'est normal, au bout d'une heure et demie d'entraînement. J'ai quand même l'honneur de m'entraîner avec la championne, donc c'est vraiment motivant. Et puis bon, ça change, c'est différent. En mettant des supersets, c'est vraiment travailler le cardio, et bon, ça se trouve, ça fait du bien, transpire, ça fait du bien. Donc n'oubliez pas de poser vos questions, de liker si vous aimez, et puis de vous abonner pour avoir la suite des entraînements. Et je vous dis à bientôt. Ciao. À bientôt. Après l'entraînement jambes, on fait des étirements. Donc pour Maryse, c'est surtout étirement de l'arrière de cuisse et des ischios. Donc on se met à l'équerre. On se met l'équerre contre un mur et on s'étire comme ça pendant 5 minutes. So once training is over, it's time to stretch a little bit,
especially the hamstrings. So what we're doing is against the wall, put your legs up under a 90 degree angle and you hold that for like 5 minutes, and you'll see that it will stretch out your hamstrings beautifully, and that will more or less round up the leg training. Leg day is over, and then you can enjoy the rest of your day, rest of your Sunday. Donc ça, ça va terminer l'entraînement des jambes. Et après, il ne restera plus qu'à profiter du dimanche. Hello les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de marquer vos commentaires, poser vos questions pour la suite. Et surtout de vous abonner pour voir toutes les suites des vidéos. Hi guys, don't forget to like or dislike. We hope you like. And also to subscribe so you can enjoy next videos. And also don't forget to ask questions and do some comments below the video so we can also incorporate that in the new videos. So see you soon. Bye. Bye.